les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi et comme je vous avais dit, on va faire les pensées du jeudi qui ne seront pas sur l'actualité crypto-monnaie. On verra ça samedi. D'ailleurs, ça bouge beaucoup. Mais là, on va parler essentiellement de passions qui m'intéressent et qui peuvent être liées à la finance. Alors, ce ne sera pas des vidéos trop longues. Je ne vais pas pousser le sujet. Peut-être je ferai maintenant des lives pour pousser un peu le sujet si vous avez des questions. En tout cas, sachez que tous les on va dire les sujets qui vont être traités, c'est des sujets que j'ai moi expérimenté. C'est pas quelque chose que j'ai regardé sur internet, c'est des choses que j'ai vraiment expérimenté. Donc vous aurez des choses sur la santé, sur l'ésotérisme, sur l'expatriation, sur le sport, sur l'astrologie, sur l'histoire, plein de choses, mais qui peuvent être liées à la finance. Et ça peut vous aider dans le domaine financier aussi. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez pas la santé, franchement, votre argent que vous allez gagner, ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, on va parler d'expatriation. Juste vous dire que moi, j'ai eu deux fois dans tout simplement ma vie, j'ai dû m'expatrier. Une fois, c'était imposé. J'étais adolescent. J'ai dû suivre mes parents. On est parti en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. C'était une très bonne expérience pour moi, mais il faut bien comprendre que pour les gens qui ont de famille et qui ont des adolescents ou des enfants, il faut aussi bien comprendre que vous partez pas seul, vous partez avec votre famille, et donc il faut bien communiquer avec la famille pour voir si que ce soit votre femme ou vos enfants, s'ils arrivent à bien s'intégrer, parce que peut-être que vous allez bien vous intégrer, mais pas eux. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand vous partez seul, c'est quand même vachement plus facile que si vous avez une famille avec vous, car vous pouvez avoir des membres de la famille qui vont pas s'adapter. Ensuite, j'ai dû partir. Là, c'était pas contraint du tout. C'était une envie. J'étais travailler un petit peu aux États-Unis, à New York, mais ça n'a pas duré très longtemps pour des raisons administratives. Mais c'était très sympa, même si New York, c'est pas la ville que je préfère. Je préfère les endroits chauds. Voilà, et où il y a beaucoup de sport, où il y a la plage, etc. Donc voilà, New York, c'était pas forcément le meilleur endroit, mais c'était une très bonne expérience. Voilà. Donc pour l'expatriation, faut comprendre que maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier, des gens de l'Occident. Les gens qui me suivent sur cette chaîne, j'ai remarqué que c'était des gens qui étaient tout simplement eh bien souvent de France, de Belgique, du Canada et un petit peu aussi, ce qui est bizarre, de Russie. Il faut savoir que en Occident, il y a beaucoup de gens qui veulent commencer à partir parce que s'ils sont nés en France, ils voient qu'il y a quand même un peu une dégénérescence des valeurs, de plein de choses. Et c'est vrai que, en tout cas, moi personnellement, je suis né ici et je reconnais pas trop mon pays, je le reconnais plus. Bon, après, ça a été voulu, c'est toute une politique qui a été, tout un rouage qui a été fait pour justement détruire les États-nations. Donc, pour ce qui est quand vous voulez vous expatrier, ce qui est important, c'est la destination. Et là, après, en fait, c'est quand même, il faut déjà que le pays vous plaise. Mais il y a plein de critères qu'il faut prendre en compte. Le climat, je vous donne un exemple. Moi, j'adore le soleil. Je pense que, par exemple, la Russie, j'ai visité l'Ukraine. Ça, il y a des très beaux endroits. Mais il fait un peu froid. Par contre, l'été, il fait chaud, c'est les mêmes températures qu'à Paris. Mais l'hiver, il faut pouvoir supporter, il fait vraiment super froid. Moi, perso, je préférais toute l'année dans un endroit où il fait 20 degrés jusqu'à 30 degrés, 40 degrés même. Ça ne me dérange pas, plutôt qu'être dans un endroit froid. Donc après, ça, c'est à chaque personne d'avoir un ressenti. Donc le climat est très important. Le coût de la vie, c'est super important. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Vous allez en Uruguay. Bah là, je suis désolé, mais le coût de la vie, il est même un petit peu plus cher qu'en France. Donc vous voyez, c'est pas forcément intéressant. Il y a bien sûr des avantages sur la fiscalité, mais en tout cas sur le coût de la vie, c'est pas là. Quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est la langue. Pour pouvoir vous tout simplement être dans un pays, faut parler la langue. Il y a des langues qui sont quand même plus faciles à apprendre que d'autres. Le japonais, c'est galère. Le chinois, vous imaginez le nombre de lettres d'alphabet, je crois que c'est plus de 100. Alors pour le lire, j'en parle même pas. Donc après, c'est bien sûr, c'est tout est faisable, mais ça vous demandera beaucoup plus d'efforts que si vous voulez apprendre une langue latine, comme moi qui parle
assez bien, même pas mal, l'espagnol. Quand vous êtes français, c'est plus facile d'apprendre l'italien ou l'espagnol que par exemple le russe. Voilà. Donc ça peut être très important. Il y a des pays où moi je suis allé en Ukraine, je peux vous dire qu'ils parlaient presque pas anglais. Beaucoup ne parlaient pas, à part les jeunes, sinon on parle pas anglais. Et je parlais pas du tout ukrainien, donc c'est vraiment pas facile. Voilà. Après, il y a des exigences en matière de visa. Il faut voir aussi pour le travail, si vous voulez travailler là-bas, de voir si vous êtes autorisé à travailler. Il y a des pays où c'est un peu galère. Ils privilégient tout simplement les locaux, ce qui est un peu normal. Et je pense que pour les gens qui me suivent, l'aspect numéro un, c'est la fiscalité. C'est tout simplement d'échapper aux 30% ou plus, voire même plus ici en France. Donc effectivement, il faut en fait faire un panel de tout ça et de voir ce qui peut être le plus intéressant. Pour ma part, moi, c'est la fiscalité qui va m'importer. Donc je cherche un pays qui ait un taux entre 0% et grand maximum 15% si vraiment le pays m'apporte d'autres choses. Ça me dérange pas de payer 15% d'impôts si en échange j'ai des structures, voilà, que ce soit dans la santé, etc., qui sont nickel. Ce qui n'est, je suis désolé, mais ce qui n'est plus le cas. Vous payez plus de 30% en France et derrière tout est matraqué. Vous avez plus rien. Vous êtes obligé de prendre maintenant des mutuelles chères. Tout est pour pouvoir justement. Donc je vois pas à quoi servent tout simplement ces impôts. Puisque maintenant vous êtes obligé de prendre des institutions privées pour pouvoir par exemple vous soigner, etc. Sinon, ça c'est aussi important de voir ça. Vous avez les démarches administratives, il faut vous renseigner aussi sur tout simplement comment on fait pour avoir un permis de résidence. Il y a des pays qui sont vraiment plus faciles que d'autres à avoir. Il faut dans ces papiers, vous avez les casiers judiciaires, les justificatifs de ressources, certificat de naissance, et ça c'est en plus traduit dans, faudra le traduire dans la langue du pays où vous allez. Il faut que bien sûr votre passeport soit valide. Donc il y a, excusez-moi, il y a pas mal de choses. Donc pour ceux qui s'intéressent surtout à la fiscalité, il faut voir aussi les pays s'il y a des accords de double imposition ou pas. Donc ça c'est important avec l'Europe pour voir s'il y a des accords. Il faut s'adapter avec la culture. Je peux vous dire que c'est pas forcément toujours facile. Moi qui vais souvent en Amérique du Sud, moi j'aime bien mon calme. Je suis désolé, le soir là-bas c'est la fête jusqu'à même 1 h du matin. Vous avez le voisin qui peut faire la musique. Ils adorent faire la fête, ils adorent être dehors avec la cerveza, c'est-à-dire avec la bière, et il y a du bruit. Et pour eux, c'est normal. Chez les Africains, pareil, j'ai habité en Afrique, je peux vous dire que chez eux, le bruit, c'est normal et vous ne pouvez pas les engueuler quand ils font du bruit tard le soir. Alors quand vous allez en Occident, là, c'est pas du tout la même culture. Donc il faut bien pouvoir s'adapter à ce genre de choses. Là-bas, la musique, que vous allez en Afrique ou vous allez en Amérique du Sud, la musique, ça leur permet de toujours être gay parce que c'est pas toujours facile. Et la musique, elle est forte, etc. Je peux vous donner des exemples. En Colombie, vous avez des bus qui sont du gouvernement, un peu comme la RATP, et vous avez des baffes énormes, énormes. Et ils dansent la salsa, ils sont en train de lire un livre, et en même temps, ils dansent la salsa, ils s'en rendent même pas compte. Et c'est génial, mais il faut que ça plaise, il faut que ça plaise, quoi. Donc voilà, il faut bien s'intégrer. C'est pas toujours facile par rapport aux coutumes qui vous n'avez pas été élevé, programmé dans les mêmes coutumes. Les horaires de travail, c'est pas toujours la même chose. Un exemple en Colombie que je connais très bien, vous avez un truc de fou, le nombre de jours fériés que vous avez, c'est incroyable. On dirait que c'est tous les jours fériés. Ils ont un nombre de jours fériés qui est impressionnant. Et par contre, ils travaillent beaucoup plus d'heures que 35 heures, mais à un rythme qui est, si vous allez dans les Caraïbes, vous allez voir, c'est un peu comme si vous allez en France, dans le sud, c'est quand même plus tranquille. Voilà. Donc, il faut bien, je pense, en tout cas, si vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas la langue, déjà en France, commencez à étudier cette langue maintenant avec, vous avez plein de logiciels, de choses qui peuvent vous permettre de tout simplement apprendre tranquillement déjà. Puis en plus, ça permettra de montrer aux autorités locales que vous faites un effort pour apprendre la langue.
Voilà. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, c'est important quand vous êtes là-bas, si vous voulez pas être isolé, bah, de commencer un peu à fouiller les réseaux d'expatriés parce que eux, ils ont l'expérience là-bas et ils peuvent vous donner des conseils. Donc, bien sûr, vous intégrer à la communauté d'expatriés dans ces pays-là. Mais attention à pas rester qu'en expatrié, sinon vous n'allez jamais vous intégrer avec les gens locaux là-bas. Un truc super important, c'est l'assurance. Il faut bien se renseigner s'il y a une couverture universelle. Sinon, il faut prendre une santé privée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de se renseigner. Voilà. Au niveau des avantages quand même de l'expatriation, bah, si en France vous n'avez pas un boulot terrible, s'il vous plaît pas, vous pouvez peut-être là-bas avoir une opportunité professionnelle. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont gagné beaucoup d'argent au Canada, en Australie, dans ces pays-là, parce que les cadres sont, ou même vous allez en Afrique, je connais des gens aussi, parce que les cadres, les lois en France, quand vous voulez être entrepreneur, vous vous faites massacrer sur des lois, sur la fiscalité. Là-bas, c'est quand même plus cool. Vous êtes autorisé à faire plus de choses sans avoir plein de lois. Et donc, du coup, c'est plus facile de gagner de l'argent. Par contre, vous n'aurez pas forcément le système social en Afrique. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'allez pas avoir l'État qui va vous donner un RSA. Voilà. Par contre, vous pouvez gagner de l'argent si vous travaillez et on ne va pas vous ponctionner comme des malades. Voilà. Un truc super important, c'est la qualité de vie aussi par rapport à l'alimentation, au paysage. Je vous donne un exemple. Bon, moi, j'ai de la famille au Sénégal. Le ciel, il est bleu, mais d'un bleu, c'est incroyable. Et ça me rappelle quand j'étais petit en France, ce ciel, c'était le même. Maintenant, je vois plus du tout ce ciel bleu comme ça. On voit des nuages. Alors, je sais pas si c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses, en tout cas la pollution, etc. Mais je peux vous dire que même en Amérique du Sud, le ciel, il est complètement bleu. Vous voyez qu'il n'y a pas la pollution. Et ça peut jouer sur votre santé. L'alimentation, pareil. Il y a moins de pesticides parce que c'est tout simplement de l'alimentation, l'agriculture locale et donc vous mangez, vous sentez vraiment le goût des choses, il y a des nutriments et quand vous êtes là-bas, vous restez un mois, 2 mois, vous sentez que votre corps il change, que ici en France, vous voyez par exemple que dans les supermarchés, les fruits ont un super aspect, mais franchement ça n'a aucun goût, tout est sous OGM. Ou alors faut payer très très cher, vous allez acheter du bio, vous aurez moins de pesticides, mais ça coûte vraiment un bras. Voilà, donc il y a quand même aussi une histoire de qualité de vie qui est importante justement pour prolonger votre santé. Alors après, moi, j'ai pas encore décidé où je vais partir, mais j'ai quelques facteurs qui pour moi sont vraiment importants. C'est la fiscalité, comme je vous ai dit. Entre 0 et 15% maximum pour la fiscalité. La langue, je parle très bien anglais et espagnol, il faut que ça soit une de ces deux langues, voilà, ou français, mais j'ai plus envie, honnêtement, d'aller moi personnellement soit en Asie, soit en Amérique du Sud, voilà. Donc après, comme je vous ai dit, toujours visiter le pays plusieurs fois. Au niveau stratégique, j'ai deux choses qui sont vraiment très importantes. C'est tout simplement que ce pays ne signe pas les accords de l'OMS. Si ce pays signe les accords de l'OMS, je ne veux pas y aller. Parce qu'on va arriver dans une stratégie de chaos. Et je vous rappelle que s'il y a une pandémie ou autre, et bien tout simplement, l'OMS, c'est eux qui ont tout simplement, qui sont au-dessus des gouvernements pour décider tout simplement pour les gouvernements. La première stratégie, moi, en tout cas, c'est celle-là, c'est d'être dans un pays qui ne signe pas les accords de l'OMS. Le deuxième, pour moi, la deuxième chose, c'est au niveau géopolitique, de ne pas aller dans des pays qui sont à conflit comme le Moyen-Orient, comme l'Occident, comme les États-Unis, comme la Russie ou
même si c'est quand même assez safe, la Chine, etc. Il peut y avoir des conflits. Les Balkans, pareil, j'éviterai, en tout cas, j'éviterai les Balkans. Et pour moi, les endroits, l'endroit, l'Asie, ça, il y a des endroits où ça pourrait aller, mais il faut faire attention avec la Chine et Taïwan. Mais pour moi, vraiment, je pense être vraiment axé soit sur certains pays d'Asie qui sont assez neutres, ou tout simplement des pays d'Amérique du Sud, où là, c'est quand même assez neutre, même s'il y a une grosse influence américaine. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui un petit peu, mais en conclusion, il faut vraiment que, bah, faut prendre le temps d'évaluer, on ne peut pas partir à la sauvette, il faut vraiment tout évaluer, et de bien évaluer tous les aspects, cocher bien les cases pour que en fait cette nouvelle vie à l'étranger, bah, elle soit un super, ce soit un très bon succès pour vous. Et voilà. Une dernière chose, personnellement, dans mon travail, j'ai eu la chance, en tout cas, de côtoyer énormément de gens très très riches par rapport à mon travail, en ayant ce qu'on appelle un huis clos, c'est-à-dire j'étais en one-to-one avec ces gens-là. Et j'arrivais à parler de choses très intéressantes qui m'ont beaucoup aidé, de beaucoup de gens qui sont vraiment très très riches, que ce soit des milliardaires, des millionnaires. Et j'ai remarqué un point commun de tous ces gens-là. Bien sûr, ils ont déjà un avocat fiscaliste qui vont beaucoup les aider. Si vous gagnez beaucoup d'argent, ça peut être intéressant de prendre un avocat fiscaliste qui, lui, va pouvoir vous aider déjà, vous aiguiller sur des pays. Et une dernière chose, le dénominateur point commun de tous ces gens, c'était une stratégie, c'était d'avoir plusieurs passeports. Et je me suis toujours demandé pourquoi, en fait, au début, ils voulaient tous avoir plusieurs passeports. Et donc, un jour, je me suis permis de demander à un qui avait plusieurs passeports pourquoi. Et il m'avait dit que ça permettait une liberté géographique par rapport aux situations géopolitiques et même au niveau fiscalité. Et que ça leur permettait d'avoir une liberté totale dans le monde. Et que leur stratégie était d'avoir un passeport dans chaque continent. Bien sûr, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas le faire. C'était intéressant de le noter. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini pour cette petite pensée du jeudi. Je vais juste vous laisser en lien. J'ai quelqu'un dans le Telegram. J'ai des gens qui sont expatriés dans le Telegram. J'ai quelqu'un qui vient de s'expatrier dans un pays qui, j'avoue, me fait de l'œil. C'est le Paraguay. Le Panama me fait aussi beaucoup de l'œil. Mais le Paraguay, et cette personne a une chaîne, donc je mettrai en lien sa chaîne, que vous puissiez voir un petit peu la culture. Il visite des villes dans ce pays, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez même lui poser des questions, tout simplement. Mais j'avoue que le Panama, le Paraguay, sont des pays, la Thaïlande aussi, il faut voir. J'y suis allé une fois, faut vraiment voir. Mais en tout cas, le Paraguay, le Panama, il faut savoir que déjà ces deux pays, c'est 0% d'impôt sur les revenus étrangers. Et ça, c'est intéressant. Et au niveau géostratégique, il y a quand même des choses intéressantes. C'est des pays assez neutres. Le Paraguay n'a pas signé les traités de l'OMS, par exemple. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Après, c'est chacun, on va dire, de trouver son pays qui va le mieux lui correspondre. Voilà, j'espère que les pensées du jeudi vous ont plu. La semaine prochaine, on fera sur la santé quelque chose que j'ai expérimenté, que je vous parlerai. J'espère que ça vous a beaucoup plu et on se voit de toute façon samedi pour parler de crypto-monnaie. Juste en parlant de ça, je change de sujet, mais restez zen pour le procès de la SEC. Je vous expliquerai jeudi. À très bientôt. Ciao.